what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my world. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Pour aujourd'hui, une recette sucrée. On va faire un cake aux fraises et au lait fermenté. Vous allez voir, c'est une recette qui est très très simple et qui me demande très peu d'ingrédients. Alors ce cake aux fraises, il est délicieux, moelleux et en plus il est facile à préparer. En fait il est parfait là, maintenant, pour profiter de toutes ces belles fraises qui arrivent sur nos étals et essayer de faire venir un peu plus le printemps qui se fait un petit peu timide en ce moment. Il y a du mal à arriver, hein. Donc on va le faire venir avec un bon gâteau. Alors si vous me connaissez, vous me suivez dans les vlogs, vous savez que j'adore passer du temps en cuisine, j'adore pâtisser, j'adore cuisiner en général. Mais il y a des moments où dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le temps et c'est pratique d'avoir ce genre de recettes que je vous partage aujourd'hui, qui sont très faciles à faire, qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. 2-3 coups de cuillère, vous le mettez dans le four et c'est fini. Pas besoin de sortir plein de robots, plein de trucs et tout, pas beaucoup de vaisselle. Et un délicieux gâteau à la fin. Dans cette recette, je vais utiliser du lait fermenté. Alors c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais ce qu'il y a, c'est que le lait fermenté aide à décupler l'action de la levure en fait. Donc on va pas mettre énormément de levure, mais on va avoir le résultat d'un gâteau qui en aurait beaucoup. En fait il va être très aérien, bien levé, bien moelleux, grâce justement à ce lait fermenté. En fait l'acidité du lait fermenté, comme je vous dis, décuple l'action de la levure. C'est un peu comme quand on rajoute du jus de citron et vous voyez quand on fait un gâteau au citron que d'un seul coup ça se met à mousser, ben ça fait un peu la même chose en fait, ça décuple l'action de la levure. Donc si vous voulez ne pas en utiliser, vous pouvez remplacer par du lait ou rajouter, enfin vous prenez la quantité de lait et vous rajoutez un petit peu de vinaigre, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça va donner un petit coup d'acidité, faire un peu cailler le lait en fait, faire un peu comme du babeurre en fait. Et ça va avoir un peu la même fonction que le lait fermenté quoi en fait. Voilà. Donc à vous de voir si vous voulez acheter du lait fermenté ou si vous préférez utiliser du lait avec un petit peu de vinaigre. C'est une option que j'utilise très souvent à la maison quand j'ai pas de lait fermenté. En fait, le fait d'utiliser un lait comme ça qui est très acide, comme le lait fermenté ou le lait ajouté avec un petit peu de vinaigre, comme je vous ai dit, ça va décupler l'action de la levure et du coup, on va avoir une pâte qui va être très très moelleuse, un cake qui va être très moelleux et un gâteau qui va être bien aérien aussi. C'est souvent, on utilise beaucoup en fait tout ce qui est babeurre, lait fermenté et tout dans les pâtisseries anglo-saxonnes et américaines en fait, justement parce que ça donne ces muffins. Quand on regarde, vous voyez, bien gonflé et bien aérien. Pour la liste des ingrédients, vous allez voir que c'est des ingrédients qu'on a pratiquement tous dans son cellier ou dans son garde-manger, ça dépend ce que vous avez, enfin, comment vous appelez ça. Et le seul truc, c'est les fraises qu'il va peut-être falloir, et puis le lait fermenté, mais comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le substituer. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 250 g de fraises qu'on va couper en petits dés. On a besoin du coup de lait fermenté, donc 250 ml de lait fermenté. Pour savoir où est-ce qu'on le trouve, on le trouve facilement dans le rayon oriental. Voilà, des grandes surfaces. Un œuf, un gros œuf, une cuillère à soupe de levure, 125 ml d'huile neutre. Donc là moi c'est de l'huile de tournesol, vous pouvez prendre de l'huile de colza, vous voyez une huile sans goût. 2 cuillères à café d'arôme vanille. 230 g de farine T55, 115 g de sucre, et on va avoir besoin aussi après pour le glaçage, donc ça c'est optionnel, hein, mais on va avoir besoin de 100 g de sucre glace, une demi-cuillère à café de sel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des ingrédients. Donc comme je vous ai dit, ensuite pour le glaçage, on aura besoin aussi de 100 g de sucre glace et un tout petit peu de lait pour former le glaçage. Je voulais un glaçage bien bien blanc, donc j'ai préféré le faire avec du lait. Mais vous pouvez le remplacer par du blanc d'œuf aussi si vous le voulez. Mais on en reparlera après. Donc là on y va tout de suite pour le cake. La première chose à faire, c'est venir couper nos petites fraises donc en petits dés. Ensuite on préchauffe notre four à 170 degrés et on va préparer notre moule. Donc un moule à cake qu'on va graisser un petit peu, et moi ce que j'aime bien c'est mettre un papier sulfurisé, vous voyez, juste comme ça dans le fond, c'est pour aider ensuite au démoulage. Comme c'est pas un cake qu'on va retourner, on va pouvoir attraper les deux côtés, ça va être plus facile pour le démouler.
Pour la taille du moule, c'est un moule à cake standard en fait, hein, c'est la marque Tefal je pense, voilà. Donc c'est un qu'on trouve dans tous les magasins. Alors on y va du coup pour le cake. Moi je vais le faire avec mon kitchen, vous pouvez très bien le faire avec un batteur à main ou même un batteur, enfin ou un batteur électrique, voilà. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément besoin de travailler très fortement la pâte. Donc on va mettre les liquides en fait, l'œuf, le lait fermenté, j'ai piqué le biberon de mon petit-fils pour mesurer les 125 ml, on le dira pas. Donc du coup, le lait, l'huile, hop, je vais essayer de ne pas renverser, voilà. On va ajouter le sucre et la vanille liquide, donc 2 cuillères à café d'arôme vanille. Déjà bien mélanger ça pour avoir quelque chose qui soit lisse, enfin qui soit bien, que tout soit bien mélangé. Donc ensuite on ajoute le sel, notre levure, on mélange bien et là maintenant on va ajouter la farine. Alors une fois qu'on a ajouté la farine, on mélange pas fortement, enfin voilà, on mélange juste assez pour qu'il n'y a plus de traces de farine. Donc moi je vais mélanger à 1 voire 2, mais pas plus. Voilà, il ne faut pas trop travailler la pâte. Donc voilà, là j'ai ma farine qui est plus ou moins intégrée à l'intérieur. Et là du coup je vais aller chercher une maryse et on va intégrer nos fraises délicatement dans la pâte. Donc je mets mes fraises et je donne quelques coups de cuillère pour qu'elle soit bien mélangée à l'intérieur. Et là, on va verser du coup ben, la préparation dans le moule qu'on a préparé. Donc une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc dans votre four préchauffé, comme je vous ai dit, à 170 degrés. Au niveau de la cuisson, c'est entre 50 et 60 minutes. Ça dépendra de votre four. Venez vérifier la cuisson avec un cure-dent enfoncé au centre, ça va ressortir propre. Alors s'il y a des petits morceaux de pâte humide sur le bâton, c'est pas trop grave, hein, c'est vraiment la pâte crue qui doit plus avoir. Au bout d'à peu près 50 minutes, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de piquer avant de pouvoir vérifier la cuisson. Donc on démoule le gâteau, donc ça va assez facile en fait, il suffit de prendre du coup les deux côtés et là on va le laisser refroidir. Ensuite on enlèvera le papier et on va le glacer avec un petit glaçage tout simple en fait, juste du sucre glace mélangé avec un peu de lait. Je vous montrerai. Alors une fois que le gâteau est refroidi, on va faire notre petit glaçage. Donc j'ai mis 100 g de sucre et je vais rajouter un tout petit peu de lait. Je vais mettre l'équivalent pour l'instant de 3 cuillères. On mélange jusqu'à ce qu'on ait une consistance qui soit assez nappante pour mettre sur le dessus. Alors il faut avoir une consistance nappante mais quand même assez épaisse. Je vais vous montrer la texture qu'il faut. Vous voyez là il n'y en a pas assez, c'est trop solide donc je vais en rajouter un tout petit peu. Il faut vraiment y aller un tout petit peu à la fois parce que si vous en mettez une cuillère de trop, ça va être trop liquide, vous allez devoir rajouter du sucre. Vous voyez là j'ai juste rajouté une petite larme et on y est pratiquement. Ouais, non mais c'est bon, voilà. En fait on veut quelque chose qui coule mais qui soit assez épais, voilà. Bon après c'est optionnel hein, vous n'êtes pas obligé hein, c'est surtout pour la déco du gâteau en fait. Donc là on va le verser du coup sur notre cake. Alors pour la déco, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une fraise, venir couper des fines tranches dedans, mais sans aller jusqu'au bout là. Vous voyez, je l'ai nettoyé, j'ai laissé la queue et je viens faire des fentes à l'intérieur. Et ensuite, voilà, j'appuie comme ça. Ça fait un éventail
de fraises que je vais venir poser du coup sur le gâteau. Je vais en faire peut-être 2-3 comme donc ça. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un gâteau tout simple mais avec une petite déco voilà dessus. Pour la recette du jour, je vous mettrai comme d'habitude une petite photo ici pour que vous puissiez voir l'intérieur du cake. Je vous mets aussi un petit visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos si vous voulez aller la télécharger, elle est sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis soit à 18h pour un vlog ou soit ben à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. Take me away, I want you for myself every single day.